Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 15 au vendredi 19 mai. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis une feuille de laurier. En deuxième, je vous ai mis un petit chat noir, un petit peu différent d'habitude. Voilà, c'est un petit cadeau de mon plus petit euh, et il est trop comique, je trouve. Et euh, en troisième, je vous ai mis euh, la petite déesse en bois. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle Euro, les prédictions des chibis de ma belle Cricri, le Just a Be euh, Witch euh, tarot, euh, Oracle, je vais écrire le Just a Be Witch Oracle. Et euh, pour le tarot, j'ai ressorti le Pacific Northwest Tarot, euh, qui est un tarot auto-édité. Voilà. Je les ai déjà sortis euh, de la boîte, celui-ci, de son pochon. Ah oui, c'est vrai que j'avais sorti aussi euh, ma petite boîte de paon d'or d'Émilie de Dieu euh, pour avoir un petit message en plus, euh, tout, tout doux euh, d'un animal qui va nous accompagner cette semaine. J'adore ces petites cartes. Regardez comme elles sont belles. Voilà. J'avais oublié que j'avais sorti celui-là aussi. Voilà, donc on va sortir les jeux. Sinon, ben, j'espère que vous allez tous très très bien. Euh, ici, quand je fais la vidéo, il fait toujours mauvais. On se croirait vraiment en automne, c'est incroyable. Enfin oui. Et euh, j'ai vu qu'au Canada, euh, y avait, ça brûlait, qu'il y avait des hectares et des hectares euh, qui avaient brûlé. C'est pas juste, c'est pas... C'est triste tout. Il n'y a plus rien qui va, je trouve. Euh, dans le climat. Enfin, voilà. Zouf on est bon, j'ai mes paquets. Alors, je vais essayer de les mettre comme ça, un peu sur les côtés, pour avoir au moins un petit peu de place pour les étaler. Et on va commencer tout de suite avec deux cartes de l'oracle Oro. Et j'espère qu'on aura euh, de bonnes énergies pour ce week-end. Euh, pour cette semaine, plutôt. Je vais y arriver. Semaine de reprise de l'école aussi en Belgique. Ah, là, là. Oh, oh. Ben, non, là, il y en a un peu beaucoup quand même. Il y en avait trop, quatre. Ben, décidément. Bon, ici, c'était la lanterne hein, euh, qu'on a eu, la mise en lumière. Et ici, la déception. Euh, Peut-être que vous allez euh, ben, mettre au jour euh, la déception de quelqu'un. Qu ben, décidément. Bon, ben, je vais la prendre. Un peu. Vous avez vu deux fois. On va la prendre, hein, du coup. La lanterne. Elle est tombée deux fois. Bon, on va garder à l'esprit la déception aussi quand même. Et je vais quand même en retirer une. Ce serait le coup que ce serait la déception. Bon, du coup, je l'ai mis à l'endroit. C'est dingue, ça. Vous l'avez vu en direct. Hein, que je ne l'ai même pas fait exprès. Hein. Que elle est, je l'ai remis et elle est revenue. Bon, c'est que celle-là, elle avait vraiment quelque chose à nous dire. Hein. Pour le coup, la lanterne, bon, je vais mettre mes paquets par là. Alors, l'oracle des secrets. Et euh, on est de plus en plus euh, dans le chat euh, des guidances. Hein. Vous savez que quand je les mets en première, on, on papote euh, dans, dans le chat et on est de plus en plus et c'est super chouette. Ce sont des petits, les deux moments de la semaine, j'aime bien euh, discuter avec vous euh, dans la chat euh, des vidéos. Parfois, quand j'écoute mes vidéos d'ailleurs, je les enregistre, vous le savez, hein, je me dis Mais qu'est-ce que tu sais dire comme bêtise Et je me fais rire moi-même. Au tout début d'ailleurs, quand j'ai créé ma chaîne, je ne supportais pas d'entendre ma voix dans les vidéos. Quand je réécoutais, euh, euh, quand je réécoutais les vidéos, ben, j'avais en horreur d'écouter ma voix. Je coupais le son limite. Maintenant, ça va, c'est passé. Il a fallu quand même quelques années. Hein. Et vous savez quoi En juillet, euh, ma chaîne va déjà fêter euh, ses trois ans. Vous vous rendez compte Trois ans Pour moi, c'était hier, c'était il y a un an. Bon, déjà trois ans le temps file à une allure. Trois ans qu'on partage déjà plein de trucs tous ensemble. C'est gay. Voilà. Qu'est-ce que, regardez-moi, une petite parenthèse, mais qu'est-ce que ce dos est magnifique Qu'est-ce que son mari a du talent Qu'est-ce que j'aime ce jeu Ici, j'emploie euh, bah, la deuxième version qu'elle a fait avec les, les, les runes de sorcière en plus. L'autre version, elle est là. Hein, vous le voyez toujours dans le petit coffret, elle est là. Euh, la toute première. Où il n'y avait pas les, les runes encore dedans. Voilà. Bon, je vais le mettre là-dessus. Et ça, celui-là, il celui -là, lui en reste encore. Qu'elle a dit. C'est le Humanity Rack euh, qu'elle n'a qu plus en stock. Et qu'elle va refaire euh, une deuxième édition. Elle a dit. Un nos chibi Youp. Petit Chibi. Et youp, oula, Chibi s'est retourné. Hop, euh, le tarot, et puis on finira par la petite carte des animaux. J'aime bien le dos de ce jeu, les tranches comme ça. C'est un jeu que j'aime bien, moi. avec des animaux euh, d'un autre, autre continent, même. Mais moi, je l'aime beaucoup. Il n'a pas eu beaucoup de succès pourtant quand il est sorti. Celui-ci. Bon, zou. Par contre, il s'étale moins bien. Comme il a, il a un fini un peu. Enfin, c'est plutôt un. Non, je vais garder celle-ci. J'avais repéré celle-ci d'abord. Hop Voilà zou. Bon, je ne vais pas le mettre sur les chibis, celui je sens que ça va faire une catastrophe. Et on va reprendre une petite carte ici. Voilà, bon, je vais faire comme ça, je ne vais pas les étaler. Oh mais ça va, pour le moment, il que 6 minutes. J'ai déjà fait pire. Et puis comme je vous mets le timing, ma foi, bon, ceci je vais les mettre par ici. Voilà, je vais un peu rassembler et on va commencer du coup par ceux qui ont choisi la feuille de laurier avec cette fameuse lanterne et les animaux. Euh, les lan la lanterne, ah, bon, c'est la lanterne, c'est toujours l'idée de mettre quelque chose en lumière. Hein. Euh, qui aurait peut-être à voir avec euh, quelque chose avec vos animaux. Euh, vous allez, ou soit vous allez les mettre euh, à l'honneur, peut-être un animal de compagnie, ou alors euh, vous allez peut-être mettre quelque chose en lumière par rapport euh, à votre animal de compagnie. Euh, bon, ça peut être plein de choses, hein, du coup, euh, que vous allez peut-être découvrir quelque chose, ou, ou voilà. Bon, on va voir les autres cartes si ça peut nous en dire plus. On a la folie, des raisons, délire, la fantaisie. Euh, bah, peut-être que, peut que cette semaine, vous allez peut-être mettre en lumière euh, bah, que, que votre animal vous amène, euh, pas de la folie, ni de la déraison, mais euh, de la fantaisie un petit peu dans, dans votre vie. Peut-être qu'il vous met de la joie, de la bonne humeur. Euh, bah, sûrement pas peut-être, c'est certainement... Euh avec l'idée ici, ou peut-être qu'il aura un petit côté foufou, qui sait, hein, des fois, les animaux aussi peuvent des fois avoir euh, un côté foufou, il n'y a pas que les hommes, hein, euh, les animaux aussi. Euh, donc peut-être que, bah, peut que votre animal aura un petit comportement un petit peu foufou euh, la semaine qui arrive, et peut-être que euh, vous allez, allez peut-être mettre en lumière, euh, peut-être voir le pourquoi du comment de son comportement, voilà. Peut-être que vous allez euh, approfondir euh, pour trouver justement bah, pourquoi est-ce qu'il aurait ce petit côté foufou. Le Just to Be, on a l'encre avec la stabilité, la sécurité et la réalisation. Euh, bah ici, on a l'idée, euh, euh, peut-être euh, peut que vous, vous allez trouver un certain équilibre, une certaine stabilité, un certain ancrage. Euh, peut-être grâce à votre animal de compagnie, c'est peut-être lui. Euh, je verrais plutôt, c'est peut-être votre animal qui va vous apporter du bien-être, de la douceur, euh, euh, justement cette stabilité euh, dont vous avez tant besoin, euh, peut-être parce que vous allez peut-être vivre une semaine un peu de folie, euh, et peut-être euh, que c'est votre animal qui va arriver euh, à, à vous apporter du réconfort, voilà, peut-être. Euh, moi, c'est vrai que souvent, euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben, mes animaux euh, m'apportent beaucoup euh, de la tranquillité, euh, de la joie, de l'amour aussi, le plaisir de les avoir près de moi, euh, de les voir contents, euh, même quand on n'est parti que deux minutes. <laughs> Parfois, je vais m'habiller en haut et quand je redescends, c'est comme si j'étais parti dix ans. Hein. Euh, donc, il y a ce côté-là, peut-être que c'est vos animaux qui vont vous apporter euh, vraiment euh, du réconfort euh, suite euh, à une semaine peut-être un peu de folie. Voilà, alors on va prendre nos chibis avec le consultant. Ah, bon, le consultant, bah, du coup, ici, euh, c'est plutôt, euh, plutôt euh, un homme, hein, euh, celui que, qui écoute le message, du coup. Euh, bah, je vais peut-être en tirer une autre, du coup, euh, parce que le consultant, ça ne va pas nous en dire beaucoup plus. Hein. On va prendre celle-ci. Oh, 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 oh. Purée, euh, ceux-là, si on ne les tient pas bien en main, ils ont tendance à s'échapper. Une addiction, ah euh, donc peut-être que bah du coup peut-être que vous avez eu des addictions euh, peut-être peut-être peut ça du coup la folie le délire euh, peut-être que vous avez eu des, des addictions euh, qui vous ont fait un petit peu agir de façon euh, déraisonnable etc et vous cherchez peut-être maintenant euh, une certaine stabilité euh, de trouver un certain équilibre hein, peut-être en vous débarrassant justement de ces fameuses addictions et euh, bah, vous allez peut-être vous rendre compte euh, bah, que c'est auprès de vos animaux euh, que vous allez euh, trouver cette aide, euh, justement, euh, la force de continuer euh, à, bah, à vous délester de ces fameuses addictions. Euh, c'est peut-être euh, vos animaux de compagnie qui vont euh, bah, vous apporter euh, cette aide pour arriver à vous libérer de ces addictions. Oh, bah, ici, on a le monde! Euh, bah, le monde, justement, c'est l'accomplissement. Hein. Donc, peut-être que vous avez euh, réussi euh, à vous libérer de ces addictions et peut-être que vous allez vous rendre compte et mettre en lumière cette semaine qui sait que euh, c'est en grande partie grâce à vos animaux de compagnie que vous avez réussi à vous libérer de ces addictions et peut-être à ne pas sombrer euh, dans la folie, le comportement euh, irraisonné, etc. Mais ça, c'est vraiment la carte du coup. Euh, de, de la, la plénitude, le bonheur, etc. De la victoire aussi, c'est vrai. La victoire totale. Donc peut-être que vous avez vaincu vos addictions et vous allez vraiment euh, faire le rapprochement euh, que c'est vraiment euh, vos animaux qui vous ont aidé euh, à y arriver. Le petit animal qui va vous accompagner, c'est le coq. Chaque fausse note m'éloigne de ce que je suis, alors je joue ma plus belle mélodie. Mais les fausses notes, ça peut être aussi les addictions hein, qui m'ont peut-être éloigné euh, de ce que je suis, de ce que je veux être. Il hein. euh, y a des addictions qui font un peu perdre la tête aussi. Hein. Euh, et bon, peut-être que vous vous rendez compte qu'il faut euh, s'éloigner le plus possible de ces fausses notes, de ces addictions. Euh, et euh, bah, commencer euh, à vivre votre vie euh, de manière plus saine. Voilà pour ceux qui ont choisi le laurier. On va passer à ceux qui ont choisi le petit chat noir. On a le potier qui revient et la recherche. C'est fou ça euh, Je me demande si on n'avait pas déjà eu les deux ensemble d'ailleurs. Le potier, c'est bon. Je vais d'abord aller euh, vite laisser Garfield sortir, sinon il va nous pourrir euh, toute la guidance. Me revoilà Et ça va être comme la dernière fois <laughs> vous allez voir qu'il drache dehors. Dans deux minutes, il sera nouveau à la fenêtre. Donc, je disais, le potier et la recherche. Le potier, c'est tout ce qui est euh, travail manuel, créativité aussi. Euh, bah, peut-être que vous êtes en plein de recherche euh, dans, dans votre propre créativité. Euh, peut-être que vous êtes en train euh, de tester plein de choses, d'essayer plusieurs choses euh, qui ont un rapport avec la créativité euh, avant euh, bah, peut-être de trouver euh, celle qui vous convient le mieux. Euh, mais ça peut être plein de choses, hein, le dessin, la peinture, euh, l'écriture, la chanson, enfin, ça peut vraiment être plein de choses. Vous êtes vraiment peut-être en pleine recherche euh, par rapport à votre créativité, ou alors vous êtes peut-être en train de chercher euh, du réconfort au niveau euh, bah, de la créativité de quelque chose que vous faites avec... Euh, bah avec vos mains, tout simplement. Voilà, vous êtes peut-être en pleine recherche de quelque chose qui va vous apaiser ou en recherche de vous-même aussi, pourquoi pas. Euh, ou alors, vous cherchez euh, bah, quelle sorte de créativité vous conviendrait le mieux. Ah, ici, on a l'œil avec la précaution, la vigilance et l'observation. Euh, moi, ici, ça me ferait plutôt penser au troisième œil. Je ne sais pas pourquoi. Euh, peut-être tout simplement que, bah, que vous avez... Euh, que vous développez peut-être, je ne sais pas, moi, votre intuition, euh, euh, votre troisième œil, etc. Vous développez peut-être vos facultés et c'est peut-être pour ça que vous êtes à la recherche de quelque chose de créatif pour justement exprimer, euh, ben, exprimer euh, ben, ce, que, ce qui s'ouvre à vous dans ce domaine, plutôt de l'intuition, je dirais, euh, etc. Euh, peut-être que vous avez besoin de canaliser euh, toutes ces énergies-là. Euh, dans quelque chose, euh, dans de la créativité. Et vous êtes peut-être vraiment en train de chercher bah, qu'est-ce qui conviendrait le mieux euh, pour exprimer euh, tout ça. Voilà. Moi, je ne verrais pas euh, ça comme euh, vigilant. Je verrais plutôt ça comme euh, plutôt les, les facultés euh, du troisième œil, tout ce qui est euh, divination, médiumnité, intuition, euh, etc. Alors, le Just Be nous parle de nouvelle vie, occasion et responsabilité. Bon, ici, ce serait plutôt l'idée d'un nouveau projet, hein, de quelque chose de nouveau qui va se mettre en route. Donc, ça peut très bien coller avec la recherche et euh, la créativité. Ben, peut-être que vous allez trouver, euh, en, dans votre recherche, vous allez peut-être trouver ce qui vous convient et vous allez peut-être commencer euh, un nouveau projet créatif. Du coup, quelque chose de nouveau, euh, mettre en place de nouvelles choses par rapport euh, à cette créativité euh, que vous cherchez. Euh, voilà, vous allez peut-être la trouver et mettre en place euh, ce nouveau projet du coup. Les chibis nous parlent de désert, de fertilité. Ah, on l'avait pas encore eu celle-ci, je crois. Euh, peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie où vous avez l'impression euh, bah, que vous savez plus trop euh, quoi faire, quoi avancer, euh, que rien ne fonctionne. Vous avez peut-être déjà euh, fait des projets créatifs et euh, peut-être que pour vous, euh, bah, ça a été comme ici hein, le désert total. Ça n'a peut-être rien donné. Euh, de ce que vous espériez, euh, du moins pas autant que vous l'espériez. Il y a des projets comme ça qui sont voués à rester fertiles, hein, qui ne se développent pas. Euh, et peut-être que vous avez continué vos recherches et peut-être que vous avez trouvé quelque chose de nouveau euh, à explorer. Peut-être que vous avez suivi votre intuition aussi hein, avec euh, la carte de l'œil ici. Euh, et euh, du coup, euh, vous avez peut-être écouté la petite voix en vous qui vous disait c'est plutôt ça que tu devrais faire. Et euh, du coup, euh, vous allez peut-être vraiment sortir. Euh, de ce désert, de ce, ces projets fertiles et mettre en place euh, ben, le bon projet, hein, le, celui qui vous sera bon pour vous euh, et qui va vous aider euh, à vous développer, etc. Pour le tarot, ah, le roi de pentacle, il est beau le roi. Le roi de pentacle, lui, eh ben, il, en, il en impose, hein, le roi de pentacle. Euh, le pentacle, c'est tout ce qui est euh, ben, domaine euh, des sous aussi, euh, du travail aussi, d'ailleurs. Euh, du coup, euh, c'est tout ce qu'on possède. Ça aussi faire fructifier. Euh, mais euh, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses aussi, donc peut-être que, euh, bah, peut-être que vous allez réussir justement euh, à trouver euh, le bon projet et arriver à le faire fructifier. Voilà, à le à le faire, euh, oui, fructifier, à le faire euh, aller de mieux en mieux. Voilà. C'est peut-être vraiment, vous êtes peut-être vraiment sur le, le lancement du projet euh, qui va vraiment euh, bah, vous aller le mieux et qui euh, marchera le mieux aussi. Ici on a ah bah, le chien. L'autre est mon reflet, alors je choisis d'incarner la plus belle version de qui je suis. Voilà, trop trop joli avec ces petits coquelicots. Bon, le chien, c'est l'amitié, la fidélité. Hein. Euh, donc voilà, bah, peut-être que vous pourrez aussi compter sur le soutien de vos amis, de vos fidèles amis. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la déesse. J'ai beaucoup papoté, là. Ah, on a le miroir. Ah, et la célébration. Le miroir, ben, le miroir, c'est, ben, déjà, c'est ce qu'on voit dans le miroir, nous. Euh, et c'est l'idée d'une personne honnête aussi. Dans l'oracle dans rose, c'est une personne honnête envers nous. Euh, que, que, je crois. Je vais quand même regarder, du coup, dans... Qu'est-ce qu'elle dit, là-dessus Si je retrouve, j'ai mis le gaille minute minute mes petits papillons je crois que je l'aurais laissé dedans. non il est là parce que désolé pour l'entracte mais tout va s'écrouler c'est pas une carte que je tire souvent une semble où est-ce qu'elle est, qu est la pivoine signifie la sincérité le miroir implique l'introspection donc une personne qui est sincère une semble bien donc bah, peut-être que vous allez euh, tout simplement passer du bon temps, euh, célébrer quelque chose avec des gens euh, qui sont sincères autour de vous, des gens qui sont bah, contents pour vous. Euh, peut-être que vous allez fêter quelque chose et vous serez entouré bah, de personnes sincères qui seront réellement contentes pour votre bonheur, pour ce que vous fêtez, ce qui devient rare. Hein. On est plus souvent entouré de personnes jalouses que... D'autres choses. Ici, c'est le jeune homme avec garçon, force ou impulsion. Euh, soit ce sera une personne jeune, un jeune homme euh, qui est sincère avec vous, euh, qui sera heureux de célébrer quelque chose avec vous. Il peut être plein de choses. Hein. Euh, ça peut être, célébrer un boulot, une naissance, enfin une bonne nouvelle en général. Voilà. Ou alors, ça peut aussi être. Euh, euh, vous allez peut-être fêter quelque chose. Euh, avec des gens qui sont euh, contents pour vous, etc. Et ça va peut-être vous donner de la force. Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Alors, le Just to Be Witch nous parle de mystère inconnu et de hasard avec un étranger. Euh, bah, du coup, ça pourrait être un jeune homme étranger, un inconnu. Euh, bon, peut-être qu'on euh, ne va pas dire que vous allez faire la fête avec un inconnu quand même. Hein. Euh, mais euh, peut-être que vous allez... Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être un hasard Qu'est-ce que ça pourrait dire Quelque chose d'inconnu, de mystérieux euh, bah Peut-être que vous allez célébrer quelque chose. Euh, quelque chose qui n'était peut-être pas prévu. Euh, avec des personnes qui sont honnêtes en, avec vous. Qui sont contentes pour vous. Euh, et ça va peut-être vous donner une certaine force. Euh, et ce sera peut-être euh, quelque chose qui sera peut-être le fruit du hasard. Même si le hasard n'existe pas. Euh, peut-être quelque chose qui n'est, moi je verrais plutôt ça comme quelque chose qui n'était pas prévu, pas attendu, euh, peut-être quelque chose euh, bah, qui va tomber, un peu que, comme quelque chose qui tombe du ciel, hein, qui est un peu mystérieux, qu'on n'attendait pas, et, et bah, une bonne nouvelle du coup, euh, et qu'on va, si on le célèbre, c'est que c'est une bonne nouvelle, hein. et en tout cas on sera accompagné des personnes qui sont contentes pour nous, et ce sera peut-être quelque chose qui vous donnera de la force du coup, mais c'était quelque chose qui n'était pas spécialement prévu. Ici, on a le choix. Donc, vous aurez peut-être un choix à faire. Euh, ça peut être, du coup, vous célébrez peut-être une nouvelle, mais vous aurez un choix à faire par rapport à cette nouvelle. Par exemple, on vous donne une promotion et bah, vous devrez faire le choix, du coup. Euh bah de l'accepter euh, et d'avoir un nouveau poste, un nouveau job, quelque chose comme ça. Enfin, on a vraiment l'idée du choix ici. Quelque chose, et du coup, c'est peut-être ça l'inconnu. Euh, peut-être que vous allez devoir faire un choix par rapport à quelque chose qui est, pas, qui est inconnu. Hein, et ce n'est pas toujours évident euh, de devoir choisir quelque chose qu'on ne connaît pas. Euh, ce n'est pas ce qu'on préfère, ce n'est pas ce qui nous rassure le plus. Mais on a vraiment l'idée ici de, bah, de, qu'on va devoir choisir quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Euh, par exemple, un nouveau job, mais qui nous est totalement inconnu. Euh, on a peut-être peur euh, de devoir euh, faire quelque chose d'inconnu, mais en tout cas, comme on le célèbre, c'est que ça nous fait quand même plaisir. Voilà. Euh, D'abord le tarot. Avec la force, ben, ici, on vous dit euh, que vous avez la force pour réussir, tout simplement. Euh, même si vous avez fait le choix de parcourir euh, un chemin vers quelque chose qui est totalement inconnu, que vous ne connaissez pas encore, euh, la force est avec vous. Vous êtes entouré de personnes honnêtes en... et qui sont contentes pour vous. Et euh, bah, à mon avis, avec la carte de la célébration, euh, vous êtes heureux aussi euh, d'aller vers ce chemin-là. Voilà. Maintenant, c'est Salem que vous entendez. Et on va terminer avec le petit animal, la chauve-souris avec l'expérience. J'adopte un nouvel angle de vue lorsqu'une expérience me blesse. Ben, C'est un peu la même chose. Hein. Euh, un nouvel angle de vue, un nouveau choix. Euh, quelque chose d'inconnu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a. Ben, qui vous a fait justement euh, faire ce choix et aller vers l'inconnu. Euh, et du coup, euh, ben, ce sera une nouvelle expérience. Et euh, bon, ici, j'ai envie de dire, vous avez la force pour réussir cette nouvelle expérience avec la force. Voilà pour ces petites énergies pour la semaine qui arrive. Mais comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Mais là, j'ai fait mon possible parce que la vidéo fait 23 minutes. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine. Je vais aller voir si Garfield est à la fenêtre. Et pour le reste, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous